Salut à tous, c'est Homo. Aujourd'hui, on se retrouve sur une vidéo assez spéciale. Ça sera en image comme gameplay, je ne sais pas encore, ça sera la surprise. Donc, c'est une vidéo assez spéciale. Je serai accompagné de Phoenix64. Vous l'avez sûrement connu dans la vidéo de Shadow of Memories qu'il a fait avec moi il y a quelques mois déjà. Donc, on se retrouve à nouveau sur une vidéo info, actualité sur les jeux vidéo, bien sûr. Et le sommaire de cette émission, eh ben, on va parler des dernières sorties Nintendo, on va parler de coups de gueule et de coups de cœur et des jeux attendus pour cette première émission ensemble. Donc salut à toi Phoenix64, ça va bien? Ça va bien, ça va bien. La forme, impeccable? On peut dire ça comme ça, ouais, ça Ouais, va. tranquille, bah c'est cool. Moi, je suis ravi de te retrouver encore une fois sur une vidéo. Hein. Shadow of Memories, ça fait quelques mois déjà, mais on avait tapé un bon trip dessus. Une question avec la 3DS aussi. Ah oui, La c'est vrai, exact. sortie de C'est la parce que 3DS avec Pilot Twin. tout à fait, on avait fait la 3DS avec Pilot Wings et tout, mais ça, c'est sur la chaîne de Dailymotion en fait que j'avais posté ça. Je n'avais pas posté ça sur la chaîne YouTube. Pourquoi pas la remettre un jour sur ma chaîne YouTube Ah, ça serait pas mal. Ouais, je la remettrai, pourquoi pas. Donc voilà, au niveau du sommaire, j'ai tout dit. On va commencer donc par tout ce qui est Nintendo et puis un truc tout frais, hein, c'est New Mario Bros. 2 sur 3DS. Et j'aimerais que tu m'en parles un peu parce que moi je ne l'ai pas fait, mais j'ai pas mal d'échos dessus. Donc à toi de me dire ce que tu en as pensé déjà directement. Voilà, ça fait une semaine que je l'ai eu en avance par rapport à la sortie officielle. Une semaine Bon, c'est avant du la sortie Mario. officielle. Ah ouais. Ouais, bah oui, Comment c'est t'as fait cette. 2,77, je l'ai eu le 8, C'est donc j'ai quoi réussi à l'avoir, j'ai eu la chance. Hein. tes Enfin, sous? après, c'est les connaissances. Hein. Ah, c'est les Et, connaissances. bon, les connaissances, une expression, mais voilà, j'ai réussi à l'avoir. Ouais. Et, comment dire, bon, c'est du Mario. Hein. C'est du Mario comme d'hab, Faut, ouais, plateforme. ça ressemble vrai à 90%, ça ressemble à Mario Bros. New Mario Bros. Sur le DS. Ouais, c'est un copier-coller, quoi. On a copié-collé, à part les petits trucs en plus, Ouais, bon, bah, les apparemment, modifiés. le thème du jeu, ça serait de récolter beaucoup de pièces, apparemment. J'ai entendu parler de 1 million de pièces. Ouais, au début, je me disais, ah, c'est facile, 10 000 pièces par jour. J'avais fait 10 000 pièces la première journée. Ah Mais ouais? je me suis rendu compte que si je calcule à peu près, bon, à peu près, hein, je dis, bah, ça me prend au moins bien un bon 3 mois pour voir la million de pièces. Hein. Ah ouais, Si parce je fais que. que 10 000 pièces, hein, parce que je veux pas y jouer tous les jours. C'est-à-dire. Attends. Et encore, je ne fais pas les 10 000 pièces. Hein. Je n'ai pas joué aujourd'hui, bah, très peu. Mais comment dire, non, assez long. Mais bon, c'était plus fort que moi. J'étais voir ce que c'était la surprise au bout d'un million de Attends, pièces. Et on parle plus non, n'en de parle pas, suite. on spoil pas, on spoil pas. Non, 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 je ne dis pas, mais ce que je veux dire, Ok, je voulais savoir par contre quand je suis tu resté sur ma récup, faim. Voilà, bon. quand tu Et récup, voilà, et comment dire, quand tu récupères les pièces ouais. dans un niveau, la pièce elle est plus récupérable quand tu refais le niveau ou elle est Non, toujours? non, on va dire Parce que que tu perds, si je que. refais le premier niveau 1 million de fois, je vais avoir 10 millions de pièces, quoi. Tu es d'accord avec moi? Ah, je sais pas là, je pense que ça t'arrête à 1 million. Peut-être que je me trompe, hein. Je sais pas comment ça va se Donc, passer. la Mais pièce, quand tu j'ai la pas récupères. encore lu les news dessus, mais sur ça. Mais Ouais. normalement, je crois que t'arrives à 1 million, t'arrives à 1 million. Hein. Je pense que tu vas pas Non, plus mais loin. ma question, en fait, c'était quand tu as déjà fait le premier niveau, que tu as récupéré toutes les pièces du niveau. Si tu Voilà. Ah non, recommences. mais c'est infini. Hein. Tu peux recommencer le premier niveau, tu auras des pièces. Hein. Ah, il y Ce aura que je veux encore des dire. pièces. Ok, Voilà, d'accord. en gros, tu joues, t'avances, hop, tu perds. C'est ça, comme tous les Mario. Tu vas revenir au début niveau si t'as pas réussi à avoir au premier checkpoint. Mais les pièces que t'as accumulées même en mourant, elles se mettent au compteur. Tout ce que tu fais, ça se met au Ouais, compteur. d'accord. Le seul chose qui se met pas au compteur, c'est que t'es en pleine partie du jeu et comment ça s'appelle, tu mets pause et tu ressors du niveau. Là, tes pièces ne sont pas Ah comptabilisées. là, ouais, faut terminer le Voilà, niveau donc. Hein. sinon, dans n'importe quel niveau, dans n'importe quoi, tu meurs, tu fais tout ce que tu veux, tu auras des pièces qui cumuleront au compteur. Et À part ça, 90% comme j'ai que le premier sur DS, hein. Même la 3D, elle sert à rien. Ah Tu mets ouais. la 3D, ça fait un flou au fond. Ah ouais. Ah bah oui, Franchement, mais c'est j'ai vrai été qu'en très, très. Je suis 2D. vraiment déçu. Je suis vraiment Ouais. déçu. J'aurais pensé qu'il y aurait des petits effets 3D. Bon, en tout cas, de ce que j'en ai vu, pour Ouais, moi, ça mais. apporte rien. C'est même plus beau que sans la 3D. Hein. Ouais, mais tu me diras qu'un jeu en 2D, à quoi elle sert la 3D? Ah oui, mais j'aurais pu faire des petits effets, des pièces qui sortent, des petits animaux. Je Ah sais oui, pas, c'est vrai, c'est vrai. Tout à Nintendo, fait. Mario 3D Land, ils ont bien réussi à faire quelques effets. Ouais.
Le but de la 3DS, pour moi, c'est d'en mettre plein la vue au niveau de la 3D. Bah là, de toute façon, ça se voit que c'est un jeu pour rentabiliser les comptes de Nintendo. Hein. J'adore Mario, hein. Je l'ai acheté parce que j'adore. Ça représente... Hein. Ça passe le temps, ouais. Mais franchement, ça se voit qu'ils sont pas pris la tête. Hein. Puis quand j'écoute les vidéos, ils ont fait des trucs de ouf. Moi, ça me fait bien rire. Bon, bah, c'est Nintendo. Hein. Depuis les dernières années, de toute façon, ils partent en live. Hein. Je sais pas ce qu'ils ont fumé, hein, on dit ça comme ça, mais... Apparemment, ils ont joué à deux. On peut jouer à deux, je veux dire. Ah ben, j'ai lu les vidéos et ça a l'air d'être pas terrible. Hein. Ah ouais. Bah, le problème, l'écran est petit. Apparemment, si t'es un qui est plus rapide que l'autre, ben comment ça s'appelle t'es en petite bulle. Ça sera, ça, comme il dit, ça joue un peu à la Sonic 2 sur Mega Drive. Oui, avec ça, Tails. Tu contrôles le personnage et tu vas plus vite, ben, le personnage il réapparaît un peu plus loin. Ouais, j'en ai entendu vraiment, parler. Vraiment, c'est pas terrible. Ça vaut pas la version Wii. À ce sujet-là. Et puis voilà, alors, apparemment l'écran est trop petit aussi, donc le personnage, le deuxième perso, sort très rapidement de l'écran et il se retrouve dans le mode bulle, comme tu dis, pour réatterrir plus loin. Donc s'il fait que sortir de l'écran, c'est vrai que c'est relou, à moins que tu as deux PGM qui restent toujours collés côte à côte et qui vont à 2000 km/h ensemble, quoi. Hein. Ça va être bien pour aller les speedruns, mais sinon, personnellement, moi j'ai pas testé, mais je sais pas si je jouerai à ça. Si il y a le mode là, faire trois niveaux comment ça s'appelle d'affilée sans mourir, récupérer le maximum de pièces, c'est pas mal. Ça, j'ai testé une fois, bon je suis mort, j'ai arrêté, hein, je me suis dit Ah ouais. Mais bon, c'est bien parce que ça aussi, ça te permet d'accumuler tes pièces quand même. Ouais. Et voilà. Au niveau du level design, parce qu'apparemment là, je suis sur le site, sur un site dont on va pas dire le nom, ils disent qu'il y a un level design impeccable. Est-ce que tu l'as ressenti quand t'as joué? On ressent vraiment le jeu de plateforme parfait à la Nintendo. Ah, parfait, oui, c'est du Mario. Hein. Je veux dire, voilà, comme je dis, ça qu'on joue à Mario, c'est vrai que, Mario Bros. 1, tout ça. Je veux dire, soi-disant, ils ont voulu le faire comme Mario Bros. 3, le plus proche. Ben, ils sont un peu loin encore, parce que autant sortir Mario Bros. 3 et le refaire en New Mario Bros. Hein, pourquoi pas faire un remake de Mario Bros. 3. Ça aurait été mieux de faire que faire ce qu'ils ont sorti. Mais bon, c'est Nintendo. Après, je sais pas comment ils pensent. Mais bon, quand je les écoute, c'est pas ça. Hein. Ah, c'est bon, pas ça. Forcément, ils vont vendre leur jeu, mais... Ah ouais, je suis un peu critique, mais j'étais vraiment déçu. Hein. Ouais. Ah ouais, déçu. T'es déçu de ce jeu. Ouais, je suis quand même déçu parce que je m'attendais, voilà, c'est un nouveau Mario Bros, ils disent qu'il y a des nouvelles choses. Bon, à part les fleurs en or, bon, ça, c'est amusant, tu détruis tout, tu récupères les pièces. Mais bon, c'est un jeu, je pense les gens vont se tasser vite. À part les mecs qui font le mode les trois niveaux là, je sais plus comment ça s'appelle, mais il y a un mode pièce en folie apparemment. Ouais, c'est ça, pièce en folie, c'est ça. Ouais. Contre, c'est ça. Ouais. Alors... À part ça, c'est ce que les gens vont faire, bah, soit qu'ils sont accros du jeu, mais après dès que t'as terminé le jeu une fois, quand t'as râlé 1 million de pièces et puis que t'as terminé le niveau, je pense pas que tu vas trop y revenir. Je veux dire, c'est apparemment. Puis il y a beaucoup de niveaux qui se ressemblent pour moi. C'est sa pièce en folie. Donc, c'est pour les moins. Les moins, ils disent, la collecte de pièces trop superficielle, le jeu en coop trop restrictif et les vraies surprises trop peu nombreuses. C'est vrai qu'on en a déjà parlé. C'est du Mario classique. C'est du bon, mais sans plus, quoi. Ok. Ah ouais, non, je trouve que c'est un peu abusé. Bon, voilà, après, personnellement, ceux qui ont déjà le premier Mario Bros, je sais pas si ça vaut vraiment le coup d'acheter le 2. Ok, ben voilà, on va rester sur cette conclusion. Pour moi, c'est parfait ce que tu as dit là. Ça résume tout à fait le jeu. On va parler de la 3DS XL maintenant. Moi, ce que j'ai vu de cette console, c'est qu'elle me paraît déjà beaucoup plus adulte, déjà au niveau des couleurs. Bon, l'écran, ça doit être, j'imagine, beaucoup plus sympathique à jouer avec cette taille d'écran maintenant. Au niveau de la croix directionnelle, est-ce qu'ils ont amélioré quelque chose? Parce que franchement, non, ouais, c'est toujours... tout. Ah non, c'est une 3DS normale, un peu plus grande, bon, elle a quand même grosse. Mieux. Hein. C'est tout. Moi j'ai en face de moi. Comment dire, bon, franchement, c'est clair, moi j'ai craqué, hein, je la voulais et je l'ai pris. Hein. Au niveau du poids, c'est beaucoup plus lourd. Elle est un petit peu plus lourde, mais c'est bien. Et c'est mieux pour jouer. Moi je trouve que jouer à Mario Kart, je suis mieux que. Pour jouer avec pour glisser, pour lancer les carapaces, je trouve ça mieux. Même pour te dire, les jeux que j'avais revendus, j'étais un peu déçu parce que j'avais envie de les récupérer parce que c'est vrai que il y a des jeux comme Pio Twin et tout ça, ça doit être magnifique. Ah bah oui, moi j'ai Zelda, ça reste magnifique hein, en 3D. Bon,
L'écran est quand même un peu, ça étire un peu. Hein. J'ai testé sur ma deuxième Ouais, est-ce 3DS. que ça pixelise ou est-ce qu'il y a un effet d'aliasing qui apparaît? Un tout petit peu, mais faut le voir. Mais après, quand tu mets ta 3D, c'est quand même mieux. Moi, franchement, je suis quand même plus content sur 3DS XL que Ouais, sur 3DS j'ai normal. entendu dire aussi que Après. les gens ils mettaient la 3D uniquement pour les cinématiques parce qu'après s'ils le mettaient en jeu tout le temps ça leur cassait les yeux quoi. Ben, toi, Mario Bros, de temps en temps, le news Mario Bros, je le mets, ça sert à rien. De temps en temps, je vois un petit peu, voir s'il y a des petits effets, je cherche quelque chose, mais bon, je m'aperçois que c'est plutôt flou que propre. Mais bon, ça, c'est comme ça. Mais bon, Zelda, voilà, quand tu joues à Zelda, franchement, je ressens la 3D, là, c'est vrai que je suis bien. Moi, c'est vrai que j'aimais pas forcément tout le temps. Un défaut que je trouve dans la 3D XL, c'est qu'il n'y a plus comme la DS normale, un petit voyant qui dit qu'elle est allumée la 3D ou pas. Là, c'est Ah ouais, un. ah, il y a plus de voyants là. Non, tu mets ou pas? T'as que des fous. Ben, Ah ok, ça, bon, tu le repères c'est à pas bête, tu l'œil. vois bien que t'as mis la 3D, mais ce que je veux dire, voilà, Tu le c'est ça, repères, c'est bien que t'as tu. vu une petite lumière. C'est pareil pour le son, c'est un petit lock, tu montes, tu descends. Ouais. Le stylet, c'est comme la 3DS XL, c'est sur le côté. Et les boutons Home, Select et Start, ça c'est bien parce que c'est plus comme les autres DS, là, c'est pas incrusté dans la console. Ouais. Bah, ce que je trouve dommage, c'est que j'aurais pu foutre un deuxième stick, même un tout petit Ah oui, mais là. c'est clair, ils ont déconné là, Bah, ils font là, une. ils ont Parce abusé, qu'en plus, c'est vraiment abusé. tu peux même pas réadapter ton stick droit que tu avais sur 3DS normal en fait, si j'imagine bien, parce que la taille n'est plus la Comment même. ça? Donc au final, faut que tu rachètes un deuxième stick droit pour la 3DS Ah XL. oui, mais bon, ça sert vraiment à moi. Ouais, À parce qu'il y part, a, hein, y a, pour y a certains jeux que comme Metal Metal Gear. Gear, y a que Metal Gear Solid Snake Eater qui l'utilise avec Ouais. Resident Evil Révélation, on est Ah, d'accord. mais tu C'est. vois, c'est hors sujet ce qu'on va parler, mais tu vois Resident Evil le dernier sur 3DS et Metal Gear, il n'y a pas photo, c'est Capcom, elle a fait quelque chose pour jouer avec le stick, Konami, elle a fait de la merde. Elle a fait de la merde, ok. Ouais, c'est injouable, ça qui arrive à me dire qu'elle va jouer à la 3DS à Metal Gear, Mais c'est pas comme il avec fait. le stick droit, tu parles? Ah non, sans le stick Ah droit, oui, sans le mais stick bon, est-ce droit. qu'il faut acheter un stick droit à chaque fois? Ça, c'est déjà Ouais, gros. c'est Je clair. parle sans le stick droit et ils Ah auraient pu faire mieux. oui, c'est bon, J'aurais pu faire mieux. Franchement, avec les écrans taqués, ils auraient fait l'argent. J'ai testé, ça m'a rendu fou. Oh, c'est J'imagine horrible. bien, Horrible, c'est j'imagine horrible de chez bien. horrible. Rien qu'un Metal Gear sur PSP, sans stick droit, c'est affreux. C'est pour ça que j'ai C'est fait clair. le Metal Gear Déjà, Solid. attends, déjà sur Xbox, avec ta carte 3, j'ai galéré à chaque phase d'essai, tout ça. Alors sur 3DS et même sur Vita, j'imagine même pas, ça va être horrible. Ouais, Ah, le c'est problème, clair. c'est qu'ils ont les outils pour faire le truc, mais ils font de la merde. Ça se voit que c'est Non mais que attends, pour rentabiliser. je comprends pas. Sur Vita, t'as un stick droit, tu peux jouer normalement. Ouais, non, mais j'ai testé, j'ai vu une émission, ils en parlaient, c'est pareil, il y a des trucs qu'ils auraient pu améliorer. Alors la 3DS, ça fait des choses qui sont bien, qui auraient pu être adaptées sur Vita, mais qui n'ont pas fait sur Vita. Alors, vice versa, tu vois. Ouais. Et ils ont fait de la merde, voilà, Ok. poliment. Mais Ok. bon. Voilà, Je. bon. Ouais, La je voulais. 3DS, c'est un bon bijou. Franchement, ceux qui n'ont pas de 3DS, je leur conseille. Bon, après, pour transporter Elle dans a la poche, combien? pour. Comment? Elle a combien? Bah, L'XL? moi, je l'ai payé 199 euros. Hein, 199, ouais, donc elle est à elle est un 3. peu moins maintenant, elle doit être à 189 ou un truc comme ça. Mais 189, ouais, elle fait ceux qui n'ont pas de 30 3DS ou euros de ceux plus. qui peuvent se la payer, ben, je leur conseille. Bon, voilà, après, c'est quand même plus agréable de jouer sur un grand écran Ok. que sur. Voilà. On a une minute. Voilà, un autre truc Attends, bijou, c'est on n'a que. plus qu'une minute là pour terminer cette première émission parce qu'elle sera en trois parties. Zelda Platinum Games, ça sera un Zelda qui pourrait être développé par Platinum. Tu as 55 secondes pour m'en parler. Moi, je suis effaré que Zelda ne produit, que Nintendo ne fera plus ne développera plus eux-mêmes ces Zelda, quoi. Je trouve ça dramatique. Où va le jeu Jap? Je sais pas où ils vont. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Ben, le truc, c'est que ben, là, moi, j'ai pas suivi trop les news sur Zelda, mais Ouais. je sais qu'ils sont sur un projet d'un remake de Zelda 3 ou de Masque Majora. Bon, après, Ouais. ça passe sur quelle console précisément. Alors, j'ai vu une vidéo, ce Masque Majora en synthèse. Maintenant, c'est ça que je sais pas trop pour Nintendo, mais ben, je pense qu'ils vont délai ils vont les répartir les jeux, Je mais pense ils ils vont vont créer surtout un, mais peut-être. C'est bien les ça. briefer en fait. Ils vont surtout bien les briefer. Et Oui.
et ils vont suivre le développement, mais vraiment de très très près. Et je te laisse là, je vous laisse là-dessus.